dichlorodiméthyltrichloroéthane, DDT, est un pesticide utilisé après la Seconde Guerre mondiale pour éradiquer le paludisme. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il fragilise les coquilles d'œufs d'oiseaux et est la cause d'éclosion précoce. Là, on sait en fait que cette molécule de DDT va être métabolisée en DDE et ce DDE a une action anti-œstrogénique. Donc, on sait que c'est ce qui fragilise la coquille des œufs, on sait que c'est ce qui fait que les pénis sont atrophiés chez les alligators et chez les reptiles, on sait que ça affine aussi cette coquille d'œuf. Et chez les reptiles, c'est la température de couvaison qui va induire le sexe. Si vous êtes à 29 degrés, ça va être un mâle. Si c'est à 31, chez une tortue, ça va être une femelle. Eh bien, si vous imaginez que si la coquille est plus fine, eh bien, ils vont tous être trop chauds, en tout cas plus chauds, donc il va y avoir beaucoup plus de femelles. Donc le ratio 50-50 ne va pas être respecté. Et du coup, pour les générations et